Et plop, les gens. Zikino, de retour sur HotSparks, une automation à deux ventures. Je me suis rendu compte, c'est que pendant un moment, j'ai été limité par ma production d'éclat, d'éther. C'est moins vrai maintenant, mais je produis quand même que par à-coup. En attaquant, du coup, faudrait que je prenne plus souvent le réflexe d'attaquer tout ce que je vois, tout simplement, et que comme ça on aura suffisamment d'éther à la fois pour produire toutes les espèces de Sparks sans distinction. J'ai aussi remarqué que ici, il y a sur ce chemin, il y a un tout petit peu trop de transporteurs par rapport au nombre que. De Sparks qui sont créés. Et ici, pareil, il y a un peu trop de transporteurs par rapport à la vitesse de création de cet hôtel. Alors, je pourrais en créer d'autres, mais en créer d'autres, ça veut dire utiliser plus d'éclats d'éther. Et comme je vous disais, ce n'est que récemment que j'ai beaucoup d'éclats d'éther, et uniquement parce que j'attaque un peu tout ce qui bouge. Ah, punaise, j'ai plus de son. J'avais dû cliquer à côté avec la souris. Donc ce n'est que récemment que j'ai assez d'éclats d'éther. Donc augmenter la production de Spark de souche me paraît pas idéal. En bas à gauche, 13 sur 30 pour le sac. J'ai dû avoir une upgrade qui me permet de Spark, mais seulement de 2 Spark en même temps. Je ne sais pas. Me paraît étrange. Ça me paraît étrange, mais c'est pas grave. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'on va faire la requête de la madame là. J'ai oublié comment elle s'appelait. Il nous faut des pierres et le reste, on devrait avoir ça en stock. Et après, on va partir dans la montagne. Alors, on pourrait partir peut-être dans la montagne tout de suite. J'ai envie de faire au moins une quête. C'était pas celle de ramener des Sparks quand je tombe. Pas celle-ci. Alors je sais que je peux ramener à peu près autant de pierres que je veux. Parce qu'il y a le papy qui va m'en demander aussi. Voilà, j'en ai plus que nécessaire. C'est bien. On va donc prendre son temps pour se téléporter ici. De chaque parce que déjà parce qu'on le peut, ensuite parce que c'est toujours bien d'en avoir dans l'inventaire vu que c'est les matériaux de construction.
les échelles rampes, ça me semblait important aussi. Il n'y a plus les dialogues, c'est relou. L'intendante est en train de concevoir de nouvelles constructions pour t'aider à gérer ta chaîne de production dans les montagnes. Ils te permettront d'envoyer des objets vers le haut et le bas, ainsi que de l'autre côté des gouffres. Elle a besoin de matériaux pour finaliser ses plans. Alors 200 cordes, pas pour tout de suite. Non, ouais, la mission du forestier d'avoir des sparks coupants me paraît beaucoup plus appropriée. D'ailleurs, où en est-on ? On a presque posé toutes les lames en bois. C'est bien. On en a, mais pas non plus la folie. Et voilà, c'est ce que je disais. On a déjà plus de éclat des terres d'avance. Gênant, immédiatement, mais on en a plus d'avance. Donc on va explorer. Je vérifie quand même. On en a combien? On en a 11. 11 plus 20, ça fait 31 au maximum, 32 au maximum. Non. Si, c'est vrai que je vidais aussi les hôtels. Normalement, j'ai vidé ces deux-là. J'ai fait un épisode d'1h30, je me souviens plus ce que j'ai fait. Allez, la moitié de l'épisode d'avant, alors que je suis toujours en live, il n'y a pas eu de coupure. La folie nougat. Que voulez-vous? Normalement, les premiers, c'est bon, les deux premiers là, c'est... j'y vais par conscience et pour farmer ce que je trouve sur mon chemin. Je vais farmer. En fait, j'ai l'impression que farmer, si je suis trop loin. Ils ont récupéré. Des fois ils récupèrent, des fois ils récupèrent pas. Pas grave, bon. Voilà, là ils avaient l'air de se baisser pour récupérer. Ah oui, mais ils sortent du champ de vision de la caméra, du coup. On les oublie. Ça, on est d'accord que ça fonctionne pas. Là, je vais être obligé. Bonjour petit poussinou, manche poule. S'il a peur, il a compris. Oh, c'est pas la même. Il est étourdi. Il fait un caca qui étourdit tout le monde. D'accord. Donc, quand il fait son encre ou son équivalent d'encre, ça étourdit tout le monde. Mais je peux leur dire de revenir. Mais si je le fais pas, ils crèvent. Donc, à savoir. Et ils ont beaucoup plus de PV que les araignées peints. Ça, on s'en doutait un peu, mais c'est toujours sympa de confirmer. C'est un peu plus haut. Dans le prochain biome automne. Je les envoie pour ramasser, mais ils n'en ramassent que la moitié. Même quand tout reste sur l'écran.
Les 14, j'en ai perdu. J'en ai perdu un. Biomotone, on avait dit. C'est bien, elle est bien ici. Là, il restait plus rien. Il restait ce qu'il y avait devant, quoi. D'ailleurs, il me semble que j'en avais vu deux par ici, par terre. Peut-être que, vu qu'ils étaient à l'unité, ils ont disparu. Ça ne m'étonnerait pas du... Enfin, ils se sont transformés en... en buisson, vu que c'est comme ça qu'ils doivent se transformer. Ça ne m'étonnerait pas beaucoup du jeu que quand il est solo, il se transforme, mais quand... parce qu'il peut. Mais quand il est en taille, il ne se transforme pas. Ça me paraît bien, et on a fait le tour. Vous avez attaqué un buisson. Sérieusement. Cette feuille, j'avais dû les poser à un moment. Je me souviens avoir posé des feuilles une ou deux fois dans tes coffres, comme ça. Tenant antique. Oh. Parfait ça. Sous les mets le bois. Même le mettre. Brûler. J'avais repéré les contenants antiques bloqués par la pierre, mais pas. Oula, le freeze. Bloqué par du bois. Alors, je vais passer rapidement ici, mais quand même. Ça va nous assurer de l'éther pendant 5 minutes, ça va être bien. Alors ici, il y a une trompette. Non, on va se téléporter là-haut.
Et plus de lames, parfait. Ça va nous occuper, ça va nous permettre de produire pendant un bout de temps. Il me semble que lui, il est HS depuis ce temps-là, non? Alors, il n'y a plus de stock, mais il tourne toujours avec son stock interne. Il est pas mal, ça veut dire qu'on n'a pas eu d'interruption malgré tout. Les spark coupons, est-ce qu'on en a? Je sais pas, mais... On est là. On en a au moins une dizaine ici, plus. Presque une dizaine là. Vous voyez, j'ai mis le curseur sur le bâtiment. Les deux bricolos, ils sont venus direct. Alors que je mets le curseur là, comme ça. Bah, il vient pas. D'ailleurs, c'est bizarre l'interface. Il y a le bouton A qui est en bas au lieu d'être qui est à gauche au lieu d'être en bas. T'as le bouton B qui est à droite, effectivement. Et sur la gauche, il y a les commandes supplémentaires. Avec X en haut au lieu d'être à gauche. Et Y vers le bas alors qu'il est censé être en haut. Ça aurait peut-être été mieux de mettre les quatre symboles au même endroit. Même s'ils n'ont pas la même signification, la même utilité, tout ça. Ça aurait peut-être été quand même plus clair de dire, bah, les actions, tu les as sous les yeux. Alors, on va se TP au centre du village. On va poser ce qu'on peut poser. J'ai pas pris l'écorce. La pierre, je crois que c'est lui qui en voulait. Alors, je préfère donner des chiffres ronds. Il m'en reste 3. J'ai bien fait de rester un peu là-haut. Et du coup, la fendeuse peut récolter des feuilles. Ce qui a l'air nécessaire pour une démission, quand même. Mmh. On a au bas, ça aurait été bien d'avoir avec gauche-droite, par exemple. Sélectionner un téléporteur au pire. Peut-être en essayant d'aller plus sur la gauche, en essayant d'aller plus sur la droite, mais si on n'a pas, tant pis. Ça aurait pu être bien. Bon, bah on va aller. Comme ça vaut 36 trucs utiles. Pas mal, hein. Je
Pas mal. Je viens de me dire. Une rampe, ça coûte 10 cailloux. Une échelle, ça coûte une échelle. Sympa. Je viens de me dire que c'était bien de mettre une fondeuse à feuilles. Il me manque un caillou. Faites pas de pas poser toutes les ressources que j'avais, tous les cailloux, mais de me garder le nombre pair. Est-ce qu'on peut détruire ceci? Ceci. Ici, si on mettait par exemple des bricoleurs. Non. J'ai oublié de dire que les feuilles. On veut emmener les feuilles de là. Normalement ici. Essayer d'esquiver ça parce que sinon ça va nous perturber. Et feuilles, voilà. Ça va nous gêner plus tard d'être trop proche des sangs, peut-être en passant par en haut. Ouais. Ça nous gêne à peu près tout autant, mais vous allez voir que là ça va nous empêcher de construire. Il se souvient du dernier bâtiment que j'ai fait, mais il se souvient pas que j'étais en train de faire des routes. C'est pas où vous l'envoyez, c'était où? Je crois que j'ai fait X en me trompant. Ah, si je fais X, ils avancent, après ils attaquent. C'est-à-dire impuissant. Alors le but d'avoir des feuilles, ce n'est pas d'avoir des feuilles. Le but, c'est d'en stocker 120 pour tout à l'heure. Et très certainement, peut-être ici d'ailleurs, dans l'un de ces deux là, quand on y est, de faire les cordes.
mais peut-être que ça a juste pas besoin de socle. Ce qu'on veut quand même, dire que les feuilles sont ici. Les serrer, voilà, comme ça. J'aime pas trop le panneau en dessous. Non, c'était mieux avant. J'aime pas trop le panneau dessous et tant qu'à faire, autant se laisser la diagonale de déplacement. J'en rajoute un, tant que eux ils travaillent pas à 100%, ça va être compliqué de les faire travailler à 100%. Il faut absolument qu'il y ait des transporteurs en boucle devant eux, ou presque en permanence. Il faudrait une centaine au moins de transporteurs, c'est légèrement abusé. De la montagne, on va quand même vider les poches avant. Je sais pas pourquoi j'ai autant de engrais. Si, parce qu'on a fait le tour. C'est combien la mission? Ah non, je suis à côté. 80 d'écorce. 6-8. Et c'était qui? Un d'écorce pour le lui marchand. Pourquoi j'ai de l'engrais encore? Ouais, plutôt bien. On a quelques sparks sur nous, mais à part les terreaux, mais on a trop de bricoleurs, mais à part ça, tout va bien. Donc de la corde, on va mettre l'émission qu'on veut, quartz, tendon de manchoupe, sparks caillou, calcaire, masse de corde. Je crois que c'est lui qui va nous donner la corde, oui. C'est surtout les feuilles et les tendons. Mais les quartz, ça peut nous aider. Par où on explore? Par le haut, mais c'est trop simple. Surtout qu'on a eu la vision. Ou par la gauche. On va à l'ouest, on veut trouver la mer. J'avais 3 de
3 d'éclats d'éther dans mon sac. Deux as. Sachant que... On va peut-être pas les attaquer. Intéressant, j'avais oublié qu'ils étaient là. Une droite qu'on n'a pas attaqué, je me souvenais à peu près, mais pas eux. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est mettre les téléporteurs un peu sur les bords, ça peut être une idée intéressante. Donc, si on en trouve, en l'occurrence, on vient d'en trouver un. On va peut-être s'amuser à mettre... À les créer. À les alimenter. Il me manque des bûches. Ça va. Et des cailloux. Ça va un peu moins. Est-ce que toi, t'es un caillou, là? Oui. Ici, il y a plein de cailloux. J'ai mes cailloux. Je crois que c'est voilà, un petit sapin qui est aperçu, qui était pas, qui m'indiquait pas ce qu'il allait me rapporter. Changer ça. De la récolte, parce que quand on va revenir, on sera de nouveau en def. Je n'ai pas besoin de tuto pour le savoir. J'ai essayé de le faire monter, mais en fait, il n'y a pas de rampe. La rampe, elle est là en bas. Bien de avoir une portée illimitée ou que la portée s'arrête au biome, quoi, au biome ou au champ de vision, mais pas là. On est obligé quand on veut faire un truc un peu grand. Oh, zut. Mal visé. Quand on est de se faire quelque chose. On fait quelque chose d'un peu grand, on est obligé de bien se placer, c'est compliqué pour pas grand chose. Ici on veut des souches de base. On va mettre des bricoleurs juste parce que. Parce que pourquoi pas, mais. Mince. J'ai plus assez de transporteurs. Parce que 3 pour la distance, je pense que. Que le. Que
le pauvre père anti qui va dire tant pis. Il va être allumé par intermittence. Et bon, il est allumé par intermittence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire qu'on va attendre quelques secondes à chaque fois qu'on va vouloir le s'y téléporter. On a pu prendre ces arbres, sinon. La distance est... proche. Alors, j'ai pas d'échelle, il n'y a pas d'ennemis. Vas-y, un arbre mort, ça me donne quoi? Waouh, des bûches! Je m'y attendais pas. Par de la roche ce contenant. Alors ah d'accord. C'est vrai que tant qu'il chie sur place, moi je peux pas l'attaquer. Tu veux pas te déplacer maintenant que t'as chié? La première fois il s'est déplacé, maintenant il veut plus. Vous attaquez celui qui est là-haut là? Vous êtes sérieux? Wow, même moi ça fait des dégâts. Mais les PV remontent tranquillement. L'autre, j'allais dire, ça sert à rien de l'attaquer parce qu'on pourra pas récupérer. On pourra récupérer, envoyer des sparks pour le récupérer, mais s'il s'enfuit un peu loin, ça va vite être lourd. Donc on l'abandonne. Donc on n'a pas d'échelle ou de rampe. On en voit un. Dans quel sens tu cours? Tu ne cours pas, d'accord. Ah,
Oh là là. Ils sont compliqués à tuer, hein. Qu'il y a quand même quelques bugs de d'early access avec ce personnage. Bloqué. Oh, elle comment? Jeune Ibouille. Larve de Ibouille. Braille brumeux. Passer à côté, il s'énerve. Il peut être assez proche, mais il s'énerve. Oui, forcément, il n'y a plus de... Quand même, c'est pas la mission, donc pas les embêter, ceux-là. Par contre, t'es en plein dans ma mission. Non, revenez, revenez en fait. Ils l'ont envoyé avant qu'il chie, mais il a chié. Ha ha ha!
Oh, c'est bien, vous avez réussi à le buter alors que j'en ai envoyé la moitié à faire n'importe où. J'en ai combien de tentacules? Les 4, il m'en faut au moins une autre. Il me semble que j'en ai déjà déposé une. Tu es cerné. S'appelle nuage. Ah oui, d'accord, il va rester indéfiniment comme ça. C'est parce que je le vise, il s'en rend compte, il a peur. Mais je pense que j'étais trop près, du coup il se sentait confiné contre le mur et il devait faire sa défense automatique. Ça, c'est déjà un bon point. Après, c'est tellement là sinueux. D'ailleurs, notre téléporteur, il en est où? Il en est à 0. 1, 3, 5. Ah, si on voulait s'y téléporter, c'était possible. J'aurais peut-être pas dû essayer de vouloir repasser par là, quoi. Parce qu'il me semble qu'elle est larve. Oui, d'accord. Ils se sont fait anéantir. On y est. C'est immense. C'est immense, c'est très sinueux. Je comprends mieux pourquoi on avait une sorte d'indice qui nous disait d'aller droit vers le nord. Oh, encore une bête. Qui en un hibouille. On a déjà un autre hi quelque chose. Une hilarve, un hiboui. Ça c'est du corail. Le rocher infini. Tout calmar. Oui, il y a un tout point calmar. Oui, et là j'en viens. En fait, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. On va aller là directement, comme ça, on va visiter ce coin-là vu qu'on avait eu un cercle de vision. Dessus. On a plein de places dans l'inventaire. On n'est donc pas pressé. On a déjà nettoyé cette session. Alors c'est où? C'est tout droit, tout droit. On va passer par la gauche. Ça m'a l'air d'aller un peu plus tout droit que par la droite. Bon, là, j'y suis. C'est un truc à ramasser, ça? Il sert de quoi? Jeune hibouille, d'accord. Huh?
Et du coup, on voit que ça nous rapporte pierre et peut-être. Ça snique du sol. On peut monter là? Non. Je disais bien qu'on. On allait dépasser l'étage habituel. Parler d'hôtel de pierre. Oh, hôtel de Sparks éclaireur. Il m'a parlé d'hôtel de pierre, mais j'en ai pas trouvé jusque là. Donc j'ai l'hôtel de Sparks éclaireur. Allez, je peux pas monter. D'ailleurs. Ouais. Ça s'accroche. En haut de la falaise, et s'il n'y a rien dessous, ça marche pas. Là, ça veut pas s'accrocher. On peut pas enchaîner les blocs les uns sur les autres pour monter. On peut monter ou descendre avec une rampe d'un étage. Qu'est-ce qu'on veut faire du coup? Le Spark Error, c'est cool. Oh. Corail toxique, ok. Là, il y a un autre repère antique. Le corail toxique, c'est pas un repère. C'est pas un sanctuaire, quoi. Un hôtel. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Voir que c'est du quartz, mais je peux difficilement l'atteindre. C'est quoi? Sphère, c'est éléphant, mouton à mouche là. Scara pour scarabée. J'ai inversé toutes les touches, la louche. Oui, bon.
Qui est l'escarafan? C'est compliqué. On peut mettre en place ce téléporteur. Tant qu'on n'est pas très loin, ça sera tout ça de fait. On n'a pas de transporteur, c'est pas grave. Au moins, il sera mis en place. Il n'y aura plus qu'à mettre un transporteur. Est-ce que ça, on peut le mettre ici, du coup? On peut même le mettre là où il y a de l'herbe. C'est bien, c'est pas limité au biome roche. Enfin, ça n'a pas l'air limité au biome roche. On va faire tout droit, hein. Pouvez-vous rasez-moi la forêt qui est sur le chemin. Voilà. Vous allez là. Les épées qui vont faire le transport, je ne crois pas, non. Beaucoup trop cher pour ça. Cinq, peut-être que c'est suffisant. La petite distance. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On n'a pas le quartz. On n'a pas le quartz. On a peut-être des feuilles à aller récupérer. On a les manches ou loupes, les tendons de manches loupes normalement. Les pierres, on n'en a pas ramassé tant que ça. Je pense que ça, c'est pour plus tard. Ça aussi et ça aussi. Donc la vraie première mission, c'est celle-ci. Écorce, feuilles, machin. Oui, à pied. Comme ça, il faut récolter. Alors, pas lui. Ou le l'arrêt-pain juste à côté, il a de la chance. À se faire faim. Ah, oh, j'aurais pu, bref. Entre deux téléporteurs, il n'y a pas pire emplacement. On pourra penser à cela, je pense.
Et là. Alors, quoi que je fasse, je ne remplis jamais mon un slot de soutien. Restez encore. Voilà. Il y en a plein. Ôtez-moi d'un doute. On n'a pas fait les transporteurs. Les transporteurs, ils veulent des poutres et des... avoir mis la recette de transport immédiatement. Des bricoleurs et des poutres. Alors les poutres, on va pouvoir les prendre ici. Si possible, avant les multi... multi-séparaison. On peut en mettre un là comme ceci et on fait un filtre. Il faut que vous ayez au moins de la poutre, sinon ça ne sert à rien qu'ils reviennent de ces machines et qu'ils aillent en... Voilà. Et j'ai besoin aussi, ils sont là, ah bah c'est là où je suis obligé d'avoir ça. J'ai pas ça. Voilà. S'il faut qu'ils soient capables de se croiser sans déséchanger leur chemin. Ça, mais j'en ai en stock.
En sortie. Comme d'habitude, on va vouloir. Oh. Lui. Il marche à droite, donc non, pas de ce côté. Au retour. Un panneau. Panneau ici. Et. C'est les transporteurs, voilà. Et l'inventaire, ça sera peut-être plus facile de les récupérer juste derrière. Est-ce qu'il me reste un normal? Bien évidemment que non. Là, franchement, pas besoin d'autre chose que de la souche pour les petites quantités de déplacement. J'en ai eu un. Où il y en a assez, c'est surtout de ce côté-ci qu'on va vouloir. Enfin, si vous avez quelque chose, ça sert à rien d'aller rentrer à l'origine. Bon. C'est bien, mais c'est pas le meilleur endroit. Parce qu'on peut imaginer qu'ils soient tous en train d'essayer de mettre ici, de là-bas, et que ce truc-là soit bloqué. Donc, avant de se soft lock, on va dire comme ça. C'est tellement peu. Les deux cases. Alors, si on y réfléchit bien, ici c'est suffisant parce que si on n'a plus ni dans cette machine ni dans cette machine, ça qu'on veut vérifier, ils pourront poser sur cette case-ci au retour et en se déchargeant. Oh, je crois qu'ils vont faire quand même un peu complet, c'est pas trop petit. Donc on va ils pourront se décharger sur l'une des deux cases et après celui-ci il est alimenté que moi, ça me va. Où en est-on? Ça consomme 4 par 4 des planches, c'est ça aussi. Les poutres.
4, ça fait quand même deux trajets de. Ça fait deux trajets de transporteur, ce qui est pas rien. Ça me va. Truc, c'est que remplir cette boîte, ce tonneau, je pense que c'est pas une bonne idée. Pas une bonne idée et en même temps si quoi. En fait, ça va me pomper énormément de Sparks parce que le Sparks bricoleur demande deux Sparks souches. Le Sparks transporteur demande encore un seul, mais bon. Bébé. Là, quand je vois que j'ai tout ça d'avance. Je commence à me dire qu'effectivement, peut-être, on pourrait envisager la production annexe de Sparks de base. Oh, et puis tant pis. Pas ce qu'il faut, tant pis. Ce qu'on peut faire, c'est. Parce que l'objectif, c'est juste de me vider les poches. Ça, je peux pas. C'est celui du dessous. Par contre, ce que je peux faire, c'est si vous revenez. Dans mon stock à moi, on prend dans le stock d'avant, sachant que ce stock là il est plein, celui-là il est vite plein, donc au moment où on est en saturation, tant mieux. On est d'accord que c'est des voleurs là-bas, c'est pas des souches qui produisent. Sinon, ça aurait été gênant quand même. Ça aurait été assez gênant. Si on peut. On peut poser, je crois. Et avec la corde, on va pouvoir faire des monte-charge tyrolienne machin. Mais en fait, on pouvait déjà faire les. Attendez. On pouvait déjà faire les échelles, tout ça. Non? Là-dedans. Non, il vient de nous donner la scieuse, donc ça peut pas faire des échelles. On va quand même se le mettre de l'autre côté. J'ai quoi? Si
l'habiculture. Merde, on se débloque des tenues. On se débloque notre petite tenue. On va faire ici à côté. Distillerie d'éther. D'accord. Trancheuse, non. Métier à tisser. Ah ouais, mais métier à tisser, il faut des. Ok. Fabrication de cordes, c'est dans le métier à tisser, d'accord. L'atelier à bois qui permet de produire des échelles et des rangs. Ici. Donc là, normalement, tu peux produire des échelles. D'accord, il faut du bois et des poutres. Bon, on en produit un, est-ce qu'on peut en acheter, en mettre un? Bien. Ce que je veux, c'est que tu sois déjà sur ta console. Là, je sais que j'essaie de sélectionner les recettes. Ensuite, je fais ça aussi. Que moi, je sache si où j'en suis la prochaine fois. Et j'en suis à faire des échelles. Ouais. Ah ouais, c'est cher. De faire des échelles. Hein. Ça va être le fait d'emmener des sparklers qui est l'élément lent, mais c'est parce que les produire c'est lent, parce qu'on n'arrive pas à avoir les sparks de base, donc il va falloir absolument produire plus de sparks de base, je pense. Les souffles, où est-ce que je suis? Ça génial, falloir que j'aille sur Discord et que leur reporte tous les petits soucis là que je viens d'avoir. Autant jusqu'à présent ça allait, autant là récemment ça va pas travailler si je ne mets pas de sparks de couleur besoin ou autre. Autant récemment j'ai plein de petits soucis là sur cette session de live, et donc vu qu'on est en early access, c'est le meilleur moment pour leur en parler. Est-ce que on peut poser une échelle juste pour voir? Elle a l'air de se mettre à la hauteur qui lui plaît. On va juste regarder l'orée des bois, l'orée de la roche. D'accord, donc là je peux pas, par contre ici je peux pas parce que c'est trop bas, mais ici je peux. Ok, ça me plaît, ça me plaît. Je vais la mettre à un autre endroit et je vais m'arrêter avec ça. Voilà, en fait ce que je veux c'est en avoir au moins une de visible. Je l'ai mis un peu dans le vide, mais non, c'est bon. Voilà, on va s'arrêter ici.
J'espère que l'épisode vous a plu. On va s'arrêter là, comme ça on a vite fait en visu. Ouais, l'hôtel Sparks à Kayo, il était là. Comme ça on a en visu l'échelle, plus ou moins l'hôtel Sparks à Kayo. De toute façon, on aura envie d'aller explorer les rochers géants, tout ça. Et voir l'échelle, ça va nous dire, bah, on peut produire des échelles. C'était dans les derniers trucs qu'on a fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Oh putain, encore j'ai débordé à 1h20. Je suis à 30 minutes, je regarde la montre et après, c'est déjà 1h20. Bon là j'ai quand même mis un petit peu de temps à éteindre, le temps de me setup bah, les transporteurs je crois. Mais au moins c'est fait et sinon j'aurais galéré à m'en souvenir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à bientôt. Bye bye.